Mon frère, tu sais, mon fils n'arrive pas à me surprendre dans le bon sens. Eh, ah, t'as de la chance, hein? Ah, le mien, il me surprend toujours dans le mauvais sens. Il a un don pour faire des bêtises. L'année dernière, il a été le meilleur mathématicien des collèges de toute la région. Non. Oui. Mais c'est un génie. Et le sponsor lui a même promis une bourse d'études à l'extérieur dès qu'il a son bac. Mon cher Hubert, il n'y a pas à dire, ton fils, il fait ta fierté. Oui. Le mien, il me fait tellement honte. J'ai envie de le troquer. Je ne te dis pas, hein. Il était encore tout petit quand il me disait qu'il serait ingénieur en bâtiment. Je ne le prenais pas très au sérieux, mais là, tout en train de se concrétiser sous mes yeux. Aux âmes bien nées. La valeur n'attend point le nombre d'années. Déjà à l'âge de 13 ans, il savait ce qu'il voulait faire. Oui. Bah, ouais. Tu as un grand ingénieur chez toi. Un haut cadre. Un génie civil. Le mien, c'est un génie de la marmite. Il bouffe seulement. Non. Peut-être qu'il a un talent caché en lui. C'est tout le riz qu'il a mangé qui est caché en lui. Arrête. Non, j'aurais préféré que ce soit le talent qui le cache. Parce que sérieusement, je n'ai plus envie de le voir. Il m'étouffe, il m'accule, il y en a marre. Tony, il y en a marre de toi. Non, arrête, c'est ton fils après tout. D'ailleurs, tu ne m'as jamais dit ce que tu voulais faire quand tu seras grand. Non, en tout cas, papa, moi, je suis pas pressé, je prends mon temps. Tu prends ton temps? Tu prends ton temps dans ma maison? Et si je prends mon temps dans ta maison, tu vas me chasser. Mais pour ton bien, la louve, elle chasse bien son petit, non? Jusqu'à ce qu'il apprenne. Hein? Oh, mon fils veut voler de ses propres ailes. À l'âge de 13 ans? 13 ans. Il veut voler de ses propres ailes? Oui. Mais le mien, il passe son temps à voler mon argent. Ah bon? Et voilà, c'est reparti. C'est comme ça, hein? Quand il manque d'arguments, il se lève. Mais il est sérieux, là. Oh, te fie pas aux apparences. Qui t'a dit qu'un yobo, c'est un lâche? Non, pas du tout. Tu te souviens? Le gars de la petite qui a voulu intimider à cause de la petite vie. Mais la plus connue, hein? Ouais, c'est vrai qu'il m'a cassé.